une petite capsule sur comment comparer les fractions. Donc, la comparaison des différentes fractions, ça peut nous être utile pour savoir quelle fraction est la plus grande, quelle fraction est la plus petite. Ça peut aussi nous servir à comparer des probabilités dans lesquelles de ces deux sacs, j'ai le plus de chances de piger, par exemple, une bille bleue. La comparaison de fractions aussi peut nous permettre de déterminer laquelle de ces deux fractions-là, par exemple, est le plus proche de 0 ou le plus proche de 1. Donc, on va procéder avec quelques exemples. Donc, parmi 2 tiers ou 4 neuvièmes, quelle est la fraction la plus grande? C'est extrêmement difficile de comparer des tiers avec des neuvièmes. Donc, pour résoudre ce problème, on va se créer des fractions sur le même dénominateur. Lequel choisir maintenant? Donc, en regardant le dénominateur d'en bas ici, j'ai le tiers, et le dénominateur ici, j'ai le neuvième. Donc, on pourrait être tenté de prendre le tiers et d'en faire des neuvièmes, ou le neuvième d'en faire des tiers. Donc, à nous de décider lequel c'est plus rentable. Dans ce cas-ci, un neuvième, si je divise par 3 en haut et en bas, donc l'unité, ça va se diviser mal, 4 divisé par 3. Donc, dans ce cas, on va utiliser, par exemple, le tiers pour l'amener au neuvième. Donc, si je veux faire une fraction équivalente en neuvième, ici, donc je vais multiplier par 3 sur 3, donc multiplier par l'unité. Donc, 2 fois 3 va nous donner 6 et 3 fois 3 va nous donner 9. Maintenant que je suis en neuvième aux deux endroits, il devient beaucoup plus facile de comparer. Donc, est-ce que 6 neuvièmes est la plus grande fraction ou est-ce que 4 neuvièmes est la plus grande fraction? Donc, évidemment, si l'entier est divisé par 9, ici, j'utilise 6 parties, ici, j'en utilise 4. Donc, 6 neuvièmes plus grand que 4 neuvièmes. Je viens de comparer mes fractions en utilisant le même dénominateur. On procède de la même façon dans le cas d'une probabilité. Dans quel sac j'ai la plus grande chance de piger une bille bleue? Donc, premièrement, c'est de déterminer la probabilité dans chacun des sacs. Donc, premièrement, ici, la probabilité d'une bille bleue est égale à 2 sur 3, puisque j'ai 2 billes bleues sur les 3 du sac. Ici, la probabilité de piger une bille bleue correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 billes bleues sur un total de 15 billes. Donc, dans lequel des deux sacs maintenant, j'ai le plus de chances d'avoir une bille bleue. Je devrais comparer mes deux fractions. Encore là, si je veux être en mesure de les comparer, des tiers avec des quinzièmes, ça ne se compare pas très bien. Donc, je devrais trouver un dénominateur commun pour ces deux fractions-là. Dans ce cas-ci, en regardant, je vais utiliser le 15. Donc, ici, je suis déjà en 15e, pas de problème. Donc, je vais me faire une fraction en 15e. Pour ce faire, bien, comment j'amène les tiers en 15e? Je multiplie par l'entier 5 sur 5. Donc, 5 cinquièmes. Donc, 3 fois 5 me donne bien 15 en bas et 2 fois 5 me donne 10 quinzièmes. Donc, dans le sac d'en haut, j'ai 10 chances sur 15 de piger des billes bleues, alors qu'en bas, j'ai 11 chances sur 15 d'avoir une bille bleue. Donc, beaucoup plus de chances dans le sac du bas que dans le sac du haut. Donc, ma comparaison de fractions, donc on compare toujours les fractions sur la base d'un dénominateur commun.